Salut! Je vous présente aujourd'hui la réalisation d'une petite carte d'anniversaire avec la très belle collection Doudou Astro de Schwenflower. J'ai eu une petite mésaventure en découvrant mon tampon Doudou Bélier. Il était abîmé, donc du coup c'est pour ça que je dois repasser les traits avec un feutre imperméable. Donc j'ai contacté le SAV et ils vont me renvoyer un tampon très rapidement. Franchement, ils sont au top. Donc cette carte elle est vraiment très très simple à réaliser hein, mais comme j'ai très mal cadré, vous ne verrez pas, mais j'utilise des Magicals de l'Indies pour réaliser le fond parce que je voulais un fond vraiment très scintillant. Du coup, pour être au plus près de mon motif, je vais en fait l'étaler avec un pinceau. Là c'est un pinceau basique hein, de chez Action, mais qui sont vraiment très très bien pour ça. Ensuite je sèche mon motif tout simplement pour pouvoir y appliquer mon pochoir. Donc c'est un très vieux pochoir Casey Art et donc voilà, je fais mes petites étoiles avec ma Distress Oxide et ensuite on passe tout simplement à la colorisation. Donc j'utilise mes Derwent Intense que j'adore, c'est vraiment très rapide pour faire une colorisation. Donc j'ai choisi deux teintes de bleu ensuite un marron et un gris tout simplement. J'utilise pour m'aider un petit peu le motif qui est sur le packaging. Voilà, j'ai juste modifié, j'ai remplacé le rose par du bleu. Donc après pour avoir vraiment une couleur un peu plus intense à certains endroits, je vais prendre donc de la couleur directement sur mon crayon. Voilà, c'est beaucoup plus simple et plus précis en fait que d'appliquer le crayon, et au moins vous dosez vraiment la quantité de teinte que vous voulez. Là je réalise mon petit nuage, malheureusement j'ai pris un gris qui est un peu foncé. Voilà, j'aurais préféré un petit peu plus clair, ou alors j'ai mis trop de couleurs, mais bon je pense qu'il était quand même un peu foncé dès le départ, mais bon c'est pas grave, ça le fera quand même. Ensuite je vais rajouter quelques petites touches de rose pour mes joues. Et puis du doré pour mes étoiles, ma lune et mon éclair. Voilà. Pour les sentiments, j'ai choisi des mots de cette même collection. Voilà, que j'ai tamponné avec ma presse à tampons Timols. Je l'adore, elle est vraiment géniale. Et pour conserver un petit peu plus de luminosité à cette carte, j'utilise un fond pailleté. Et je vais ensuite la coller tout simplement sur ma base de carte blanche. Voilà, une petite carte toute simple et vite faite. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao !